quelque chose d'extérieur. En tout cas, c'est vrai que cette série se rapproche de plus en plus des événements qu'on voit actuellement dans le monde. Ça me fait un peu peur. C'est un monde quand même où vous mettez la fin du monde. Et j'espère que nous, en tant qu'être humain, on fera tout pour s'en aller. Bonjour, Justin Morin du magazine Revue, qui est un magazine d'art et de mode. Le cinéma a une place importante dans les références de M. Nagai. J'aimerais savoir si c'est un domaine qu'il affectionne toujours aujourd'hui et quels sont les réalisateurs dont il apprécie le travail. Donc en effet, les films sont très importants dans ma vie. J'essaie d'en regarder un tous les jours, si ce n'est pas trois parfois. En plus, de nos jours, on arrive vraiment à regarder des films très facilement. On a plein de moyens de diffusion pour les regarder. D'ailleurs, même quand j'étais enfant, je sais que j'utilisais la plupart de l'argent de poche que j'avais, la grosse partie de mon argent de poche, dans, pour regarder des films. Donc en effet, c'est la tête pour laquelle. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça a sûrement dû avoir une influence sur mon œuvre. En tout cas, je suis sûr que c'est sûrement la base de mon imagination. Et pour les réalisateurs que j'aime bien, c'est vraiment très dur de répondre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux vous dire Kurosawa, réalisateur japonais, mais il y en a vraiment beaucoup trop que j'aime. Média, émission Hyperlink. Vos œuvres questionnent souvent les limites entre bien et mal. Vous n'épargnez pas grand-chose à vos personnages. Parfois, certaines histoires finissent très mal. Est-ce que c'est une vision pessimiste que vous transmettez ou est-ce que c'est au contraire une façon d'interpeller votre lecteur pour l'appeler à l'action ? Thank you.
commence pas vraiment à savoir si c'est le mal ou le bien qui va gagner quand j'écris mes œuvres. C'est un peu au fil de la plume et au fil des besoins que je ressens pour l'œuvre que je suis en train d'écrire. Donc il arrive que parfois le mal remporte la bataille. Cependant, bien sûr, dans le monde aussi, enfin, c'est sûrement parce que dans le monde actuel, parfois le mal justement remporte la bataille, que ça m'influence sûrement. Et c'est vrai que contrairement à certaines séries où les héros gagnent toujours, dans les miennes, parfois il se trouve que le mal remporte la victoire. Je pense que d'une certaine façon, les hommes sont en miroir. Gracias.
intérêt pour tout ce qui est utilisation, enfin, non, quand je dis de la 3D, mais du live, utilisation de maquettes et de d'autres figurines. C'était une époque aussi où je regardais beaucoup plus Thunderbird. C'était aussi une époque où Star Wars commençait à être vraiment connu. Donc, bien sûr, j'ai pas pu participer à la création d'une œuvre de telle ampleur que Star Wars, mais quand on m'a proposé justement de créer une œuvre qui utilisait des figurines de personnages, ça m'a vraiment intéressé et j'ai décidé de relever le défi. Et ensuite sur les longueurs, c'est vrai que